J'espère qu'on n'en aura pas besoin. Eh bien, on a survécu à notre première tempête ensemble. En effet. Je suis content qu'on ait pu se revoir. Tu restes combien de temps sur Jeddah ? Je ne sais pas. Mais j'ai hâte de revoir Grid. Comment il va ? Ça peut aller. Il a ouvert une cantina. Le Bailoon Saloon. Il l'a nommé en hommage à son arrière-grand-mère ? Rien n'est plus important pour Grise que la famille. Bonjour, mon ami. Quel plaisir de te revoir enfin. Maître Cordova, c'est un honneur. Je ne pensais pas vous rencontrer un jour. L'honneur est pour moi, Cal. Serré m'a tout raconté. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure et de sagesse également face à l'adversité écrasante. Vous avez fait le bon choix. Eh bien, je n'irai pas jusque-là. L'Empire s'est emparé des ruines. Il faut trouver un nouveau point de rendez-vous. C'est malheureux. Mais au moins la tempête a masqué vos traces. Venez, je vais vous escorter à l'intérieur. Maître Cordova, avez-vous retrouvé les Effauts ? Seulement des traces de leur passage, qui plongeaient dans les régions inconnues. Je suis désolé. C'est ainsi. Finalement, cet échec m'a poussé à chercher d'autres Jedi survivants. Et cette quête m'a amené à mon apprenti. Comment allez-vous, Cal ? Ça n'annonce rien de bon. J'ai quelques égratignures, mais je respire encore. Je m'en réjouis. J'ai entendu dire qu'un terroriste Jedi se trouvait sur Coruscant. Vous étiez sur Coruscant ? Eh bien, on dirait que le Mantis a connu des jours meilleurs. Tu devrais voir les autres. Les archives sont par ici. Cette base est bien cachée. Ouais. La présence de l'Empire s'est amplifiée ces dernières années. Ils sont trop puissants pour un combat direct. Mais nous faisons notre possible. Il est bien entendu essentiel de tenir notre œuvre secrète. De quoi parlez-vous exactement ? Posez plutôt la question à Serré. En attendant, Merin et moi accueillerons les nouveaux arrivants. Alors, comment était le désert ? Froid, venteux et plein d'impériaux. Ce n'est pas ma météo préférée. Mais ça devient la norme ces jours-ci. Où avez-vous échappé à la tempête ? Dans une grotte après le vieux marché. Notre ami Spamel nous a montré le chemin. Vous avez le chic pour vous faire des amis où que vous alliez. L'instinct de survie, peut-être. J'ai intercepté des communications impériales. Votre réputation vous précède. Il y avait de la crainte dans leur voix ? Je pense que oui. Bien. Comment vous sentez-vous ? Mieux, merci. Le thé que vous m'avez apporté était délicieux.
Gris doit être dans la cuisine. On le retrouvera plus tard. Maître Cordova et moi allons attendre Grise. Va parler à Ciri. Il faut continuer. Frère Arnias n'est pas du genre à rompre le contact. Cal Kestis. Bienvenue sur Jeddah. Je savais que la tempête ne te ferait pas peur. Vous reconstruisez les archives du temple ? Nous essayons. Tant que ces connaissances perdureront, l'héritage des Jedi vivra. C'est incroyable. Mais quelque chose me dit qu'il y a plus que des hololivres ici. Oui. Nous faisons partie d'un réseau, connu sous le nom de Passage. Nous offrons un accès sûr et de nouvelles identités à ceux que l'Empire a persécutés. Vous voulez dire comme... des Jedi survivants ? Nous ne sommes plus très nombreux. Mais oui. Et aussi des personnes sensibles à la Force, et ceux qui les aident. Et vous ne m'avez rien dit ? Tu n'as jamais demandé. De plus, il semble que tu étais occupé à devenir l'ennemi numéro un de l'Empire. Je voulais prouver à la galaxie que l'Empire n'est pas invulnérable. Qu'on peut résister. Qu'il faut qu'on se batte pour que les choses s'améliorent.
Mais ils préfèrent écouter la propagande et faire comme s'ils étaient libres. Mmh. Eh bien, tu as choisi une voie difficile. Ouais, bah ça a pas changé grand-chose. Oui, mais... Pendant que l'Empire avait les yeux rivés sur toi, nous avons pu construire ce réseau, trouver des alliés et sauver des vies. Quand vous êtes parti, j'ai cru que vous renonciez. J'avais tort. Cal, tu n'étais qu'un gamin quand ils t'ont envoyé à la guerre. Tu sais, à une époque, je me rappelle que... les Jedi étaient plus que des armes. Mais... nous avons tous deux un rôle à jouer dans ce combat. Et c'est pour ça que je suis là. Serré. Regardez-moi un peu ça. Hé, hey, Serré. On peut pas dire que ça manque de personnalité. Mais j'avoue que c'est un peu flippant. Contente de te revoir aussi, Chris. Hé, hey, bonjour, BD. Bon, hey, ça va, hein? Alors, comment c'était dans le désert? La tempête a couvert nos traces. Mais, malheureusement, l'Empire a détruit un de nos speeders. Ce n'est pas cher payé, puisque tout le monde est sain et sauf. Et qui est-ce? Je vous présente Bo Dacuna. C'est un ami. C'est un honneur d'enfin vous rencontrer. C'était mon un problème. Hé hey, on est tous ensemble. Ah oui. Et qu'est-ce qui vous amène tous sur Jedha? On recherche une planète cachée. Tanalor, vous la connaissez? Elle est de l'autre côté d'une nébuleuse mortelle, l'abysse de Kobo. Eh bien, nos archives sont incomplètes, mais je suis sûr que Maître Eno Cordova est à la hauteur. Avec plaisir. Oui, mais le problème, c'est que nous ne sommes pas les seuls à la chercher. Je me disais bien que c'était trop facile. Il s'appelle Dagan Gera, un ancien Jedi. Il dirige les pillards dans la bordure extérieure. Il y a un temple là-bas. Dagan cherche à le reprendre. Un temple Jedi hors de portée de l'Empire, cela veut forcément dire qu'il y aura des informations que nous n'avons pas dans les archives. Je crois que j'ai quelque chose. Non, tu es trop gentil, BD. Je commence par la mauvaise nouvelle. Oh, ce type connaît bien son public. Je n'ai rien trouvé sur comment traverser l'abysse de Kobo. Mais j'ai trouvé deux mentions de ce Dagan Gera. Il avait une base sur Kobo. Et les archives disent qu'il fréquentait un laboratoire sur sa lune. Bon, on va aller voir ça. Si vous trouvez quelque chose, rapportez-le. Je serai heureux de vous aider. Merci. À vous deux. Mais de rien, Cal. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Que la Force soit avec vous. Et avec toi. Je vais te raccompagner au Mantis. Donc tu viens pas avec nous? Je peux pas. Hé, hey, Cal! Attends. J'ai ça depuis que je me suis mis à mon compte. Ça m'a sorti de pas mal de problèmes, et je me suis dit que ça pourrait te servir. Merin, c'est ça? Je pourrais t'en avoir un autre si tu penses que tu... Pas besoin, Baud. Bon, bah ça va, on dirait. Mon maître n'a jamais aimé les blasters. Tu as dit un jour que ce n'était pas l'arme qui faisait le Jedi. C'est nous contre la galaxie, Cal. On doit utiliser tout ce qu'on a sous la main pour combattre l'Empire. Merci, Baud. Bon. Je vais te montrer comment ça marche.
Un vrai Stormtrooper est toujours en mouvement. Faut bien commencer quelque part. Et ben voilà! Pas mal, Jedi. Donc, tu travailles depuis quand pour serrer? Je ne travaille pas. C'est vrai. Désolé. Il en veut vraiment un peu. Cal n'aime pas les Stormtroopers. Tout le monde. Impressionnant. Je crois que t'as compris, Cal. C'est sympa de te voir, Meryn. Bonne chance, Cal. Je serai peut-être encore là à ton retour. J'espère. Choisissons une destination. Sur la lune brisée. Peut-être que ces anachorètes sont pas si mal, finalement. Tu les avais pas traités de cinglés? Ça, c'était avant que ces Rem disent qu'ils aidaient les réfugiés à se cacher de l'Empire. Ah bon? Ouais. Ils bossent avec un groupe qui s'appelle Le Passage. C'est du top secret. Ne le répète à personne, surtout. C'est compris. C'était sympa de revoir tout le monde. Ouais. Vraiment très sympa. Alors comme ça, Cordova pense qu'on découvrira comment traverser l'abysse dans l'ancien repère de Dagan. C'est ça. T'as déjà entendu parler du laboratoire sur cette lune, Grise? Et je suis un latéro très occupé, pas un guide touristique. Pas le temps de visiter des lunes brisées. D'abord Jedha, maintenant ça. Les lunes nous apportent que des ennuis. Jedha est une lune? Première nouvelle. Hé, hey, petit gars, assieds-toi, on y est. Juste un peu rouillé. Et toi? Un peu secoué, mais... ça va aller. Si c'est monsieur optimiste qui le dit... Hé, hey, fais-moi plaisir, tais-toi un peu. Tu me donnes des crampes d'estomac. Ça, c'est à cause de ta cuisine. C'était quoi, ça? On y est presque. Les gens du coin disent que la lune est hantée. Cordova a dit que Dagan s'était déjà rendu dans un laboratoire sur cette lune. Criez forcément derrière tout ça. Il croit vraiment qu'il y a quelque chose après l'abysse? C'est ce que pense Santari Kree. J'imagine que ça suffit au Conseil. Bon, bah, c'est pas par là. Que cet endroit serait encore opérationnel. Il faut être prudent. On doit trouver ce labo. –
9, hors service, secteur 1 à 4, opérationnel. Statut de l'installation, actif. Statut du complexe, inactif. Que disent les relevés? Ça ne tiendra pas. Nous devons encore renforcer cette chambre. Ça a l'air de bien tourner. Tu l'as bien eu. Joli mouvement. Attendez. Là, j'ai besoin de ton aide. Je suis entraîné pour ça. Appuie-toi, tu vas me le regretter. Il cherche quelque chose. Je peux pas l'ouvrir. D'autres nous attendent encore. Un mauvais pressentiment, hein? Oui, moi aussi. Vraiment pas qu'on fouille dans le coin, hein? On doit l'ouvrir. Se trouve le laboratoire? Accès au laboratoire interdit. Le laboratoire est inaccessible. Ça va aller. Trouve un endroit où te cacher. Je n'y ai pas accès. J'ai essayé de leur dire. S'il vous plaît, laissez-moi. Les pillards ont vraiment traumatisé ces droïdes. Z peut sûrement récupérer les données dessus.
Vas-y. Les organiques. Je pensais jamais devoir affronter un Magna Guard. Viens là, bébé. Tout à toi, BD. Belle trouvaille, BD. C'est bizarre. Thank you.
connaissais pas BD. C'était un écho de la force, mais blessé, divisé. Comme s'il manquait quelque chose. Ce que j'ai fait a un peu aidé, apparemment. Attention, BD! C'est une blague! Beau travail, mon pote. Secteur 5 Delta, aucune anomalie. On devrait utiliser ça. Secteur 5 Epsilon, aucune anomalie. À toi de jouer, mon pote. Secteur 5 Zeta, une anomalie. Le ciel est brisé. Nous avons été attaqués. C'est tout bon. C'est pas encore fini. On peut y arriver. Prêt, BD ? T'amuses bien, BD ? Qui a programmé ces tas de ferrailles pour qu'ils soient aussi bavards?
On va montrer ça à Zed. Du terrain. J'ai compris, BD. Fais-moi voir. T'es encore là. T'en as dans le ventre. Faut bien le reconnaître. Mais j'ai des ordres. Alors dégage de là. Assurez-vous que la zone est bouclée. Qu'est-ce qui se passe? Pas même cette vermine Jedi. La cible est à l'arche. Tout à fait. Ennemi en visuel. Ok. Prenez ça. Paramètres de dégâts subis. Acceptable. Vous allez souffrir. Tu briseras pas ma... La cible est agile. Ils ont l'air de défendre quelque chose d'important. Un style, bébé. Vous ne pouvez pas entrer dans le laboratoire. On a de la compote. Soit ce qui nous attend, ils ne veulent pas qu'on y arrive. Thank you.
Ils veulent vraiment pas qu'on rentre. Hé, hey, BD1 ! C'est trop lourd. Je pense pas pouvoir faire bouger ça. Continuez BD.